Dans la première partie de notre voyage à travers la Suisse, c'est une RE 442 qui nous a conduit de Brieg à Berne par la fameuse ligne du Lötschberg. Ensuite, c'est une RE 460 avec qui nous avons emprunté la ligne nouvelle de Berne à Olten et qui nous a amené jusqu'ici à Bâle. La RE 460 est dételée et un locotracteur électrique amène une voiture supplémentaire de la SNCB et la loco française, la BB 15002. Maintenant, notre train, le Vauban Eurocité numéro 90, est tiré dans la partie française de la gare de Bâle par le petit loco à Bielle. Les BB 15000, machines de ligne à courant monophasé 25 000 volts, au pantographe unique, ont été construites par Alstom à 65 exemplaires, de 1970 à 1978. Leur profil au nez cassé est dû au styliste Paul Arzins. Dès leur origine, elles ont été affectées au dépôt de Strasbourg pour circuler sur le réseau de l'Est de la France. Notre BB 15002 était à l'origine en livrée verte, s'inspirant des CC 6500 de la Maurienne. Elle arbore maintenant la livrée dite TE. La vitesse commerciale des BB 15000 est de 160 km/h, mais des essais à 200 ont été réalisés dans les années 70. Il est 13h30. Nous quittons la gare de Bâle avec 5 petites minutes de retard, mais la marche n'est pas très tendue. Et avec une rame de seulement 6 voitures pour 294 tonnes, les 4400 kW de la machine nous permettront de rattraper ce handicap. Notre conducteur est Stéphane Monric, accompagné du chef de traction Olivier Bourg, tous deux du dépôt de Thionville. Nous sommes sur la ligne 3 et l'origine des points kilométriques est Strasbourg. À la sortie de la gare de Bâle, nous croisons le Vauban descendant, l'Eurocité numéro 91 Bruxelles-Brieg, tracté par la 15001. Pour rejoindre Luxembourg, nous allons parcourir la plaine d'Alsace du sud au nord par Mulhouse et Strasbourg. Nous prendrons la ligne 1 Strasbourg-Paris jusqu'à Redin en traversant le massif vosgien d'est en ouest. Ensuite, nous emprunterons la ligne 3 sur le plateau lorrain pour gagner Metz, Thionville et Luxembourg. Comme nous ne quitterons pas l'ancien réseau d'Alsace-Lorraine, nous circulerons à droite sur l'intégralité du parcours.